Vous ne laissez même pas finir de manger. Vous n'êtes pas poli. Vous êtes mal élevé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait si longtemps que j'ai pas filmé une vidéo comme ça face cam, ça me fait si bizarre. Un petit thumbs up pour mon éclairage si jamais il vous plaît. Ou pour moi, si vous êtes content de me voir. Ou parce que je suis juste une fille formidable. Je ne sais pas. Je suis déchaînée aujourd'hui parce que le sujet dont on va parler, incroyable. Cette année j'ai fait au total 6 calendriers de l'Avent. Ouais, on commence à être à un certain niveau. C'était la première fois que je faisais des vrais calendriers de l'Avent. J'en avais fait avant pour mon premier copain de mémoire et pour mon frère et ma soeur. C'était il y a au moins 6 ans. Ça fait si longtemps, c'est incroyable. Bref, je vais pas vous parler de tous les calendriers que j'ai fait, je vais vous en parler de 3 sur les 6 et je ferai une autre vidéo pour vous parler d'un autre. Donc si vous êtes sur cette vidéo et que l'autre est sorti, n'hésitez pas à aller la voir. Ou n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Bref, c'est parti, j'arrête de parler. Enfin, je continue mais sur le bon sujet quoi. Le premier calendrier que j'ai fait, c'est un calendrier pour mes grands-parents. C'est une idée de ma mère. Au début, elle voulait en faire un pour ma grand-mère. Elle s'est dit que ce serait chouette si on en faisait un pour mon grand-père. Du coup, on devait en faire 2, mais on n'avait pas assez d'idées pour remplir. Du coup, on en a fait un pour les deux. Donc certains jours, il y aura un cadeau pour l'un, certains jours un cadeau pour l'autre, certains jours un cadeau pour les deux, certains 2 cadeaux, comme ça chacun en a un. Voilà, ça déborde un petit peu. Donc pour ma grand-mère, on était parti sur des trucs un petit peu basiques, genre des fringues, des décos pour la table, des soins, des fringues, des trucs de beauté, enfin des trucs un peu basique. Et pour mon grand-père, on était parti plutôt sur un délire un peu moins classique forcément, vu que mon grand-père n'en a rien à faire des crèmes pour le visage et du maquillage. Donc on s'est dit qu'on allait mettre plutôt des graines, du saucisson, du vin, des terrines, un peu plus tourné autour de la bouffe et de sa passion à lui qui est le jardinage. Et je les ai étalés tout à l'heure tous devant moi pour faire un petit peu l'ordre et ça s'équilibre plutôt pas mal au final. Bon, il y a vachement moins de cadeaux pour mon grand-père que pour ma grand-mère et il manque encore des trucs, on est mal barré, mais ça s'équilibre quand même plutôt bien. Genre pour mon grand-père, aux jardineries de Dardy, ils ont un grand truc avec plein de déco de Noël et j'ai trouvé un champignon, mais il est trop beau, on dirait une morille, une vraie idée incroyable. Au niveau présentation, j'avais une idée pour ma grand-mère et j'avais pas du tout d'idée pour mon grand-père, donc ça tombe bien qu'on ait tout rassemblé en un. Pour trouver l'idée pour ma grand-mère, j'avais cherché sur Pinterest genre idée de calendrier de l'Avent DIY et j'avais trouvé quelqu'un qui avait fait des petits paquets en papier craft et qui avait mis les sapins les uns derrière les autres et genre des plus petits devant, des plus grands derrière, et ça faisait une espèce de forêt, c'était super joli. Et je me suis dit que j'allais reprendre un peu ce concept, mettre les paquets dans une boîte et faire quelques petits sapins. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce que ça rend. Je ne sais pas si j'aurai des images pour le montage, que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc j'espère que ça va bien rendre en tout cas. Et au pire, sinon, la deuxième idée que j'avais eue, c'est coller les petits sapins direct sur le papier cadeau et écrire le numéro du jour sur le sapin. Ça peut être sympa aussi. Le deuxième calendrier que j'ai fait, c'est pour mon meilleur pote. Disons que j'ai un petit peu réclamé un calendrier de l'Avent à mon meilleur ami, qu'il ne m'a pas fait d'ailleurs, maintenant qu'on en parle. D'ailleurs, je sais pas quand c'est qu'il va me le donner, s'il m'en a fait un. Bref. Du coup, je pouvais pas ne pas lui en faire un. Genre, ça craint. J'en fais un pour tout le monde, je lui en demande un, et en plus, je lui en fais pas. Non, ça se fait pas. J'aurais été nulle. Anthony, si tu passes par là, t'es invité à quitter la vidéo ou à avancer jusqu'au prochain chapitre. Parce que je ne veux pas que tu entendes ce qu'il y a à la suite. Donc, j'avais cette idée de lui faire un calendrier, mais j'avoue que pour le remplir, j'étais pas archi inspirée. Je pouvais lui mettre de la boue. Mais à part ça, je voyais pas bien. J'adore mon meilleur pote, hein, mais de là à trouver 25 cadeaux, ouais non, là je sèche. Du coup, je suis partie sur l'idée de faire un calendrier de l'Avent Lego. Pour les premiers jours, je lui ai pris un vaisseau Star Wars et pour la suite, il aura un petit Evoli trop mignon à construire. Quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. D'ailleurs, j'ai trop hâte de savoir ce que va donner le Evoli, parce que du coup, je les ai pas montés, j'allais pas les monter et après lui donner, quoi que j'aurais pu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé toutes les pièces sur mon bureau et que je les ai triées un peu par étapes. Je devais avoir à peu près 35 étapes. Et du coup j'ai réuni quelques étapes, comme ça ça faisait un peu plus de Lego et un peu plus de choses à faire. J'ai photocopié les 2 notices et en fait j'ai découpé, mettons pour le jour 1, j'ai mis le 1, 2, 3 du vaisseau Star Wars. Au début je les avais vraiment étalés sur mon bureau et en fait c'était impossible. Dès que je bougeais, ça faisait bouger toutes les pièces et tout. Du coup j'ai établi une technique, je vous la donne si jamais vous avez besoin de faire ça. J'avais pris des feuilles plastiques, j'ai mis des 24 pochettes plastiques et j'ai mis des choses dans les pochettes plastiques. Donc d'abord j'ai mis les Lego. D'ailleurs pour l'anecdote, une fois que j'avais mis toutes les pièces de Lego de toutes les étapes, il me restait encore des pièces. Donc je pense que j'ai mal fait mon tri et je savais pas quoi faire de ces pièces. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dans le premier jour. Je me suis dit comme ça si j'ai oublié un truc il les aura déjà, mais il n'intéressera pas à les perdre. Je pense qu'il va pas comprendre, il va me dire oh j'ai des pièces, je sais pas quoi faire. Oui attends, c'est juste j'ai mal fait mon boulot. Et comme je trouvais que ça faisait quand même un petit peu léger, j'ai complété avec des sucreries. Donc j'ai mis des espèces de petites sucettes en chocolat, des Bounty, des petites confiseries Lindt, du Kinder Bueno, un panettone, enfin bref j'ai mis un peu plein de choses. Et quand on fait plein de calendriers de l'Avent, j'avoue qu'on peut pas avoir 400 idées différentes. Du coup au niveau présentation j'ai
j'ai fait très simple, j'ai juste fait des petits paquets. Genre j'ai fait des petites pochettes, j'ai mis des trucs dedans. Et je lui ai apporté ça dans un sac en papier craft à l'école. Tranquillou quoi. Le dernier calendrier de l'Avent que je vais présenter dans cette vidéo, c'est le calendrier de mon chéri. Et comme mon chéri ne regarde pas mes vidéos, je suis plutôt tranquille. Je peux parler assez librement. Et d'ailleurs, je lui donnerai le 1er décembre, donc je l'ai encore là. Je vous l'amène. Nous allons parler de ces deux boîtes. Je suis aussi partie sur un concept de Lego, mais c'est très fortuit. Je n'ai pas voulu réutiliser la même idée, mais au final, si. Mais c'était pas fait exprès. À la base de base, j'avais prévu lui offrir des Lego. Et quand j'ai commencé à faire des calendriers pour tout le monde, je me suis dit qu'il fallait que je lui en fasse un aussi. Et je savais pas quoi mettre dedans. Donc j'avais pas trop le temps de chercher des idées et tout. Et même au niveau budget, ça commençait à coincer parce que j'ai fait quand même celui de ma mère. En parlant avec ma mère, elle m'a dit bah tu peux mettre des chocolats, des gâteaux, ce genre de trucs dedans. Et ça me convenait pas vraiment. Et tout à coup, je me suis rappelé que je lui avais déjà commandé son cadeau de Noël et que c'était des Lego. J'ai dit mais c'est waouh, ça tombe à pic. J'avais commandé un minivan avec un système d'éclairage, une moto et des voitures télécommandées. Parce que je sais que ça nous aurait fait beaucoup rire de monter et faire des courses. Mais comme j'ai commandé ça sur AliExpress, bah je n'ai reçu que le minivan. J'ai été remboursée, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la question. Mais c'est chiant. Genre j'ai même pas reçu l'éclairage du minivan. Et ça c'est trop deck parce que je suis sûre qu'il aurait été trop content d'avoir un éclairage. J'ai posé cette boîte parce que je me sens un peu encombrée. Dans le paquet que j'ai reçu, j'avais 17 petits paquets de Lego qui n'étaient pas triés par ordre comme ce que peut faire Lego, mais plus par type de pièce. Donc j'avais toutes les pièces plates ensemble, toutes les pièces carrées ensemble. Voilà, c'était vraiment trié par type et pas par étape. Du coup, comme j'avais fait le calendrier de mon meilleur ami, je me suis dit bah je vais faire pareil, je vais trier par étape et je vais lui offrir par étape. Mais quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit non, c'est pas une bonne idée, c'est pas drôle. Et c'est vrai que c'était pas une très bonne idée dans le sens où il allait savoir dès le début ce qu'il allait avoir à la fin. Parce que le carnet est vraiment assez épais et je pouvais pas tout le refotocopier, c'était pas possible. Du coup, j'ai laissé les paquets complets et je vais lui donner paquet par paquet. Donc j'avais 18 cadeaux en comptant le livre et il m'en manquait 7 pour aller jusqu'au 25. Du coup, j'ai ajouté quelques petits trucs, j'ai pris des chaussettes, un moule à tarte, j'ai pris aussi un peu de nourriture, genre un petit panettone. Bref, en gros, pour trouver les cadeaux, j'ai réfléchi à ce dont il avait besoin, d'où les chaussettes. Et après, j'ai un peu fait les magasins en gardant l'esprit ouvert. Pour la présentation, je suis dès le début partie sur des boîtes. L'année dernière, je lui ai offert son cadeau dans cette boîte-là. Et en fait, il en a jamais rien fait, alors que cette boîte, elle est vraiment trop trop belle. Genre, je me suis trop fait chier à la faire. Elle est incroyable, cette boîte. Mais j'étais quand même partie pour le principe de faire des boîtes dedans. J'ai passé une soirée complète à faire des mesures. En gros, j'ai calé tous les cadeaux dans la boîte et j'ai commencé à mesurer la place qu'ils prenaient et tout. La hauteur aussi, parce que du coup, il fallait le faire sur plusieurs étages, parce que sinon ça rentrait pas. Donc c'est pour ça, ça c'est la boîte un peu colorée, ça c'est la boîte verte. Mais clairement, ça rentrait pas du tout dans le temps que j'avais. Donc j'ai été obligée de faire simple. Je n'aime pas faire simple, mais j'ai été obligée. Par contre, j'ai pris des jolis papiers cadeaux. Ça, ouais, non, c'est pas parfait, genre, j'aurais pu faire un truc mieux. Donc voilà! C'est tout pour les trois calendriers de l'Avent que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc déjà j'espère que mes idées vous auront plu. J'espère que de papoter avec moi, ça vous avait manqué, que vous êtes content de me retrouver. En tout cas, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo parce que là, juste après celle-là, je vais tourner celle du calendrier de ma mère. Donc forcément, ça va être bientôt. Enfin, il faudra que je fasse le montage, ce qui va peut-être prendre un petit moment. Mais bientôt. Ciao.